un des vignobles les plus anciens de Patrimonio. 5 générations ont travaillé cette terre. Il y a 2 ans, Mathieu Marfisi a repris l'exploitation familiale avec sa sœur Julie. 10 hectares de vignes sur un terroir en bord de mer. Beaucoup de vignes à patrimoine sont plantées sur des coteaux calcaires, donc ce qui donne la particularité au vin de patrimoine, en plus du microclimat qui règne ici du fait de la proximité de la mer avec le golfe de Saint-Florent et du relief atypique de cette région. On est à la fois sur une montagne et sur une île au bord de l'eau. Donc c'est vraiment un terroir qui est très très atypique et ce qui donne des vins vraiment marqués par le terroir. Alors tout de ce côté, hein. Ce vin a obtenu son appellation d'origine contrôlée en 1968, grâce au combat des vignerons de l'époque. Aujourd'hui, c'est Mathieu qui est à la tête de l'AOC. Il fait partie d'une nouvelle génération de vignerons qui convertissent leur domaine au bio. Le mode de culture biologique, c'est le mode de culture traditionnel de la vigne de nos anciens. Puisqu'on laboure, comme vous voyez, donc il n'y a pas de désherbant chimique. Ensuite, on va venir piocher la vigne. C'est comme ça que faisaient nos grands-parents, nos parents. Et c'est comme ça qu'on a envie de travailler. C'est des vins d'artisans et c'est des vignes de paysans. Voilà. Le lendemain, à Patrimonio, c'est la fête de Saint-Martin, le saint patron des vignerons en Corse. Un temps fort pour tous les habitants de la région et un moment décisif pour Mathieu. Chaque vigneron vient apporter un peu de vin nouveau de l'année. On remplit ce tonneau et ensuite on va venir bénir ce tonneau, donc bénir le vin nouveau et l'offrir aux amis de la Saint-Martin, c'est-à-dire à tous les gens qui vont venir profiter de cette belle fête avec nous les vignerons. C'est beaucoup d'organisation, donc c'est un peu stressant là, mais bon, ça va aller mieux une fois que la cérémonie sera passée, l'intronisation sera faite, la pression va redescendre. Il est 11h, c'est le début de la bénédiction du vin. Après la messe, la procession traverse tout le village. Le vin béni va enfin être goûté. Viens la Martine !